Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour un nouveau JT sur Monaco Info. Au sommaire aujourd'hui, cette information exclusive, la mise en place d'un centre unique de tests en principauté. Il se trouvera à l'espace Léo Ferré. Alors quand sera-t-il opérationnel? Quelles seront les modalités pour se faire tester? Didier Gamerdinger, ministre des Affaires sociales et de la Santé, nous dévoilera tous les détails. Puis nous partirons en Corse rejoindre l'un des participants de The Crossing, Calvi Monaco Waterbike Challenge. Ce défi sportif, organisé par la Fondation Princesse Charlène, prendra son départ demain depuis l'île de Beauté. Le gymnaste monégasque Kevin Crovetto sera avec nous depuis Calvi. Dans ce journal également, suite de notre série de reportages consacrés aux jeunes entrepreneurs monégasques, et puis la reprise des répétitions pour les petits chanteurs de Monaco. L'actualité en principauté, c'est aussi deux élèves testés positifs dans deux établissements scolaires de Monaco. Parlons des tests, justement, les laboratoires d'analyse sont au bord de la saturation. Un phénomène constaté notamment en France, dû à la forte affluence des personnes voulant se faire dépister. En principauté, le gouvernement conduit actuellement des réflexions. Le ministre des Affaires sociales et de la Santé est avec nous ce soir. Bonsoir Didier Gamerdinger. Bonsoir Émilie. Avant d'évoquer le dossier de la relance sociale, est-ce qu'une structure va être mise en place pour effectuer plus de tests en principauté? Alors vous avez raison de souligner l'importance du testing en principauté. Nous avons au demeurant largement échangé avec le Conseil national à ce propos et nous nous rejoignons totalement, l'Assemblée élue et le gouvernement, sur la nécessité de poursuivre sans relâche les efforts en ce sens. Et je tiens tout à fait compte de la suggestion qui a été formulée par certains d'entre eux sur l'opportunité de disposer d'un centre unique, ce qui donne plus de visibilité à l'ensemble des personnes concernées. Et je peux vous annoncer ce soir que ça va être le cas et que dès le début de la semaine prochaine, nous serons en mesure de proposer aux personnes qui auront une indication médicale de se rendre sur ce site qui sera situé à l'espace Léo Ferré. Alors, est-ce que tout le monde pourra se rendre à l'espace Léo Ferré pour se faire tester? C'est un test PCR qui sera réalisé sur place? Alors, c'est effectivement un test PCR, hein, donc c'est un prélèvement nasopharyngé. Alors, la précision, c'est que ce centre national, c'est un centre administratif. Donc, il n'accueillera que les personnes qui auront une prescription médicale. D'accord. Alors, prescription alors, du médecin de famille, d'un médecin du travail, d'un médecin scolaire ou d'un médecin de santé publique. Donc, nous prenons en compte la totalité des personnes qui ont un besoin, attesté par un certificat médical ou une prescription, de se faire tester. Pour autant, évidemment, d'autres personnes peuvent souhaiter également bénéficier d'un test. On peut penser aux personnes qui vont se déplacer, qui en ont besoin pour prendre l'avion, se rendre à l'étranger, aux personnes qui sont soucieuses, qui veulent être rassurées. Eh bien, cette mission-là, et ça a été évoqué avec un laboratoire d'analyse privé de Monaco, cette mission-là pourra être assumée par un laboratoire de la principauté, dont c'est la mission et qui veut bien l'apporter en ce qui le concerne. D'accord. Bon, pour ce centre unique, il faudra obligatoirement une ordonnance. Alors, l'idée, c'est de mettre en place effectivement une régulation médicale, puisque c'est un centre à vocation médicale et administrative. Et donc, il faudra une prescription médicale, comme je l'ai énoncé. Est-ce qu'on devra prendre rendez-vous pour s'y rendre? Alors, c'est l'administration qui se gérera de l'ensemble des dispositions, en ce sens que nous avons un centre d'appel qui sera contacté par les médecins. Les médecins communiqueront le nom, le prénom et le numéro d'identification sécurité sociale de la personne concernée et puis la raison pour laquelle le test est nécessaire. Est-ce que c'est une personne qui est symptomatique? Est-ce que c'est un cas contact en milieu scolaire, en milieu familial, en milieu du travail? Eh bien, il nous appartiendra à ce moment-là de communiquer ces éléments d'information à un pool de secrétaires. Et c'est ce pool de secrétaires qui contactera directement la personne pour fixer rendez-vous, donnera la date et l'heure. Revenons à présent sur le plan de relance présenté par le gouvernement Princier hier. Première mesure, la prolongation du chômage total temporaire renforcé, le CTTR, jusqu'en octobre. Alors effectivement, le gouvernement ayant entendu en fait hein, les demandes des partenaires sociaux, employeurs comme salariés, a annoncé le 13 août dernier que le CTTR, qui est ce dispositif qui est un bouclier protecteur de l'emploi et de nos entreprises, ce dispositif serait prolongé sur les mois de septembre et d'octobre. Ça répondait aux attentes de nos interlocuteurs qui souhaitaient avoir une information suffisamment tôt, une lisibilité suffisante. C'est ce que le gouvernement a effectué. Combien d'entreprises ont eu recours au CTTR depuis le mois de mars?
Alors, au plus fort, c'est-à-dire au mois d'avril, hein, durant la période de confinement, 2600 entreprises ont eu recours à ce dispositif pour un peu plus de 22 000 salariés concernés. D'accord. Prolongation également du télétravail jusqu'en décembre? Alors, prolongation du télétravail dans la mesure où on nous a expliqué, nous avons compris que ce mode très souple de relation du travail permettait, en œuvrant depuis son domicile, de garder une relation de travail. Alors, ce qui nous intéressait, c'est que du coup, le salarié pouvait continuer à être payé à la fin du mois. Ça a évité, pensons-nous, soit du chômage temporaire, donc une perte de revenus, soit du licenciement. Et puis, d'un autre côté, ça a permis à nos opérateurs économiques de continuer à avoir une activité tout à fait normale, différente mais normale, leur permettant ainsi d'exercer leur métier. Plusieurs mesures également vont être prises concernant l'embauche. Vous avez également annoncé hier la création d'une commission de retour à l'emploi. Comment cela va se passer? Alors, commission de retour à l'emploi qui va permettre, autour du service de l'emploi de la Principauté de Monaco, de réunir les représentants des employeurs. Donc la branche hôtellerie, restauration, bâtiment, secteur des services et d'autres encore, notamment la FEDEM, de manière à ce que nous puissions accompagner toutes les personnes qui, en dépit des efforts du gouvernement, se trouveraient dans la situation de privation d'emploi. Et au titre des mesures que le gouvernement a déjà annoncées, je rappelle en particulier ce que nous appelons la clause de sauvegarde sociale, qui ferait que tout salarié qui aurait été licencié pour cause Covid-19, qui aurait plus de 20 ans d'ancienneté à Monaco, eh bien, s'il est embauché par un nouvel employeur en principauté, ce dernier, donc l'employeur, bénéficierait pendant 6 mois d'une exonération totale des charges patronales. Les charges seront en fait payées par l'État. Donc ce type de disposition est de nature à accompagner le retour à l'emploi et alléger le coût de la masse salariale pour le chef d'entreprise. Et l'ensemble des mesures sont à retrouver sur le site du gouvernement Princier. Merci beaucoup Didier Gamerdinger d'avoir été avec nous pour faire le tour d'horizon sur ce plan de relance et puis l'annonce de ce centre unique à l'espace Léo Ferré très prochainement, dès la semaine prochaine, c'est ça? Exactement. Merci beaucoup. Je vous en prie, bonne soirée. Frédéric Hélion, le gouvernement Princier a pris la décision aujourd'hui d'élargir la liste des secteurs où le port du masque est obligatoire. Oui, je vous le rappelle, depuis le mercredi 12 août, le port du masque est obligatoire sur la place du Palais, dans les ruelles de Monaco-Ville, sur la place du Casino et sur l'esplanade du centre commercial de Fontvieille. Aujourd'hui, le gouvernement a annoncé que cette mesure était désormais applicable dans d'autres zones à compter de demain, samedi 12 septembre. Les abords et espaces d'accès aux établissements scolaires, les espaces d'accès aux transports, notamment les arrêts de bus et voies de desserte de la gare, les marchés de la Condamine et de Monte-Carlo pendant les heures de fonctionnement et les espaces voisins de la place du Casino, le One Monte-Carlo, les jardins avenue des Spélugues et les jardins des Boulingrins. Le prince Albert II a participé ce matin à l'inauguration d'une voiture particulière dans le cadre du salon Ever. Oui, la Sunbeam Alpine Mark III que conduisait Grace Kelly dans La main en collée, le film d'Alfred Hitchcock. Le prince souverain a inauguré la version hybride du véhicule datant de 1954 en compagnie de Brigitte Aubert, une des actrices du film. L'automobile a été transformée par l'association Smart Electric Monaco. Et puis on l'a appris dernièrement, la disparition de Biljana Cincinsen. Oui, la présidente du Forum mondial sur les océans nous a quittés. Son travail et son implication dans la protection de l'environnement avaient été salués par de nombreuses distinctions. Elle avait d'ailleurs reçu le Grand Prix des sciences de la mer Albert Ier de Monaco en 2019 des mains du prince Albert II à Paris l'an dernier. Elle était également intervenue lors de conférences au musée océanographique sur la gouvernance des océans, notamment. Dans un tweet, le directeur du musée, Robert Calcagno, fait part de son immense tristesse. Souvenez-vous, nous l'avions reçu sur Monaco Info à la sortie du confinement. Alexis Lanari avait créé une application pour venir en aide aux restaurateurs Pika et Pia. Ce jeune entrepreneur est aujourd'hui à la tête d'une société de consulting, 2D Consulting. Il nous la présente et il revient sur son parcours. Il est au micro de Christine Datomel. Je suis né, j'ai grandi ici. Je fais toutes mes études, on va dire jusqu'au lycée à Monaco. Après, je suis parti faire une classe préparatoire à l'école d'ingénieur à Centrale, donc
en France. J'ai complété avec une année de commerce, économie et finance à Londres. Et suite au concours de création d'entreprise, je suis revenu en principauté pour créer mon entreprise. La société, elle a à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Et c'est une société qui on accompagne et on réalise des projets sur mesure pour aider les entreprises dans leur transition numérique. Donc que ce soit du web, du mobile et aussi dans notre spécialité, tout ce qui est autour de la donnée. Un exemple de ce qu'on peut faire sur la partie donc, du coup, données avec un peu d'intelligence artificielle. Là, dans le cadre du Covid, on a donc réalisé sur du traitement sur image la possibilité de détecter automatiquement si les masques sont bien portés ou pas. Donc on a la possibilité de voir si le masque est mal porté, si le masque est à moitié mal mis et si le masque est bien mis. On les aide sur différents volets, on les accompagne pour lors de l'expression du besoin, pour voir avec elles ce qu'elles ont vraiment besoin. On les accompagne aussi lors de la réalisation où on fait un projet sur mesure et puis après coup, on les accompagne dans le suivi et la maintenance de ces projets. Un mot à présent sur The Crossing Calvi Monaco Waterbike Challenge. L'événement prendra son départ demain depuis l'île de Beauté pour rallier la principauté en waterbike. Un challenge sportif qui a pour objectif également de sensibiliser la population aux différents programmes menés par la Fondation Princesse Charlène. Deux équipes de 4 athlètes se relaieront en mer pendant près de 24 heures. Nous sommes avec l'un des participants. Bonsoir Kevin Crovetto. Bonsoir Amélie. Alors, est-ce que vous êtes prêt pour ce défi ? Oui, on s'est entraîné ce matin. C'était le dernier entraînement. Ça nous a permis de faire les derniers réglages en équipe, notamment pour les changements sur le waterbike. Donc, on est prêt. C'est compliqué, justement, de pédaler sur un waterbike ? Non, ce n'est pas très compliqué. Après, c'est différent du vélo traditionnel. Il y a un tout petit peu plus de résistance. Ça ressemble un peu plus au VTT qu'au vélo de route, mais ce n'est pas compliqué. Et comment est l'ambiance actuellement à Calvi ? L'ambiance est bonne, on s'entend tous très bien. Malgré tout, on reste concentré parce qu'il nous attend quand même une sacrée traversée. Et on a une météo qui est pour l'instant assez incertaine, donc on va voir. Justement, vous vous apprêtez à parcourir 180 km pour rallier, pour rejoindre Monaco depuis la mer. Vous avez mis en place une stratégie avec Gareth Whitstock, Conor McGregor et Jérôme Fernandez ? Oui, on a mis une stratégie en place que je ne peux pas révéler tout de suite, non. Mais on a décidé de faire des relais pas de temps, en fait. Au moment où on se sent fatigué, où on a besoin de tourner, on appelle le bateau et on fait le changement. Voilà, il faut le préciser, vous serez encadré pendant cette course. Oui, 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 ça va très bien se passer. On va être encadré par du nombre personnel et ce sera très bien encadré. Vous avez déjà participé au Riviera Waterbike Challenge. Quels souvenirs en gardez-vous ? Des très bons souvenirs. C'est vrai que j'ai eu la chance de participer aux deux premières éditions du Riviera Waterbike Challenge. C'était assez différent parce que c'était le long du littoral. Et j'en garde de très beaux souvenirs et notamment cet esprit de solidarité parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant tout, on est là pour une bonne cause, pour la Fondation Princesse Charlène. Et il est important que les gens soient sensibilisés sur cette cause-là qui est la noyade. Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde qui sont touchées par la noyade et beaucoup plus qu'on pense. Et donc, du coup, c'est très bien de communiquer là-dessus et de transmettre aux personnes ces informations. Kevin, on ne peut pas vous avoir avec nous sans parler gym. Votre club, l'Étoile de Monaco, était en finale du top 12 avant le confinement. Quels sont vos objectifs cette saison ? Vous allez connaître vos adversaires demain, samedi. C'est ça exactement. Demain, il y aura. Je vais faire une petite parenthèse avec le waterbike parce qu'il va y avoir le tirage au sort des poules du top 12 pour savoir contre qui on sera cette saison. On a un peu en travers de la gorge la saison dernière parce qu'on était très bien parti. On a été stoppé en plein élan par la crise sanitaire. Donc, on est un petit peu déçu, mais on va repartir plus motivé que jamais pour essayer d'atteindre la finale et décrocher une médaille et pourquoi pas celle d'or. Et puis l'autre objectif, c'est d'aller décrocher une qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo, Kevin. Oui, il y a aussi les Jeux Olympiques de Tokyo dans un coin de ma tête. Il reste une épreuve sélective, c'est les championnats d'Europe à Bakou au mois de décembre, s'ils ont lieu, parce qu'il y a encore une petite incertitude là-dessus. Et donc voilà, je reste aussi concentré là-dessus. On vous souhaite en tout cas bon courage pour demain, pour ce défi, ce challenge que vous allez affronter, Kevin Crovetto. Merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis Calvi. Merci à vous. On ouvre une page football avec la présentation à la presse cet après-midi des deux dernières recrues de l'AS Monaco, Frédéric.
Oui, Kevin Volland, l'attaquant allemand de 28 ans, arrivant en provenance du Bayer Leverkusen. Il reste sur 3 saisons consécutives à plus de 10 buts en Bundesliga. Caio Henrique, le latéral gauche brésilien de 23 ans, débarque lui de l'Atlético Madrid. Les deux joueurs ont répondu aux questions des journalistes cet après-midi au Stade Louis II. I think AS Monaco is a very important club in France and has a big history. They won a lot of titles and also they were at the Champions League finals. And my first 2016, I played against Monaco in the Champions League with Leverkusen, and it was a very successful season for AS Monaco. And I think they were at the semifinals and won the champion. And yeah, I know a lot of Monaco, I think, and it's a big club in the Europe, in Europe. Sí, que tenía algunas ofertas de Europa, pero creo que el Mónaco es el equipo perfecto para mí, porque aquí se puede mejorar, es un equipo que los jóvenes pueden jugar. Y claro, aquí tengo la tranquilidad para trabajar y para evolucionar. Entonces creo que hice la elección perfecta. Autre information concernant l'AS Monaco, Oleg Petrov a été élu au conseil d'administration de la LFP. Oui, l'Assemblée générale de la Ligue de football professionnel s'est réunie jeudi pour procéder au renouvellement de son conseil d'administration. Le vice-président directeur général de l'AS Monaco, Oleg Petrov, a été élu au sein de l'organe décisionnel de la LFP et rejoint notamment Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, Jacques-Henri Hérault, celui de l'OM, ou Jean-Pierre River, son homologue niçois. Dans un communiqué, Oleg Petrov s'est dit très heureux de faire partie du conseil d'administration de la LFP, a tenu à remercier les présidents de clubs pour leur confiance et affirme être prêt à faire tout son possible pour aider notre championnat à relever les défis qui se présentent dans l'intérêt collectif. Et puis le club a également révélé 3 cas positifs à la Covid-19 à l'académie. Oui, 3 joueurs, tous pensionnaires de l'effectif de National 2, ont été testés positifs au coronavirus. Leur état de santé ne suscite aucune inquiétude. Toutes les mesures sanitaires ont été prises. Ils ont été placés en isolement et sont suivis par le staff médical. Plusieurs mois qu'ils étaient restés muets, les petits chanteurs de Monaco ont redonné de la voix. Les protégés de Pierre Debat ont repris les répétitions. Une sorte de deuxième rentrée pour ces enfants qui attendaient avec impatience ces retrouvailles. Le reportage de Christine Datomel. Regardez-le. Comment il va ce grand? Ça va bien du tout. Si le temps était maussade ce jeudi sur la Principauté, cela n'a pas entaché la joie des petits chanteurs, heureux de se retrouver après 6 longs mois de pause forcée due à la situation sanitaire. Entre effusion et fou rire, les enfants âgés entre 8 et 15 ans ont participé dans la bonne humeur aux séances d'essayage, tous ayant pris quelques centimètres durant ces quelques mois d'absence et 3 petits nouveaux faisant leur entrée. Ce chœur composé à ce jour de 22 jeunes garçons a été fondé en 1974 par le prince Régnier III. C'est un grand plaisir pour moi, bien sûr, 6 mois après un silence interminable, d'entendre à nouveau des voix d'enfants résonner ici dans nos locaux. Je suis content de revoir mes amis, des petits chanteurs. Aussi, je suis un peu triste parce que plein de grands que j'aimais bien sont partis. Qu'est-ce qui t'a manqué le plus pendant 6 mois? Les chants et les amis. Parce que généralement, il y en a certains, ils sont dans d'autres écoles. Et bah, c'est bien de les retrouver. Maintenant, il va falloir déjà que je diagnostique dans quel état je vais retrouver les voix. Je ne les ai plus entendues, donc il va y avoir certainement des voix qui auront changé, mué, avancé. Je vais intégrer les petits nouveaux. Et puis, ils vont se mettre tout de suite au programme, à l'étude du programme de la fête nationale, qui viendra vite, le 19 novembre. Ainsi qu'un concert de Noël et puis une nouvelle tournée de concert, elle aussi, qui les attend en 2021. Reconnu aujourd'hui sur la scène musicale, c'est donc sous la direction et le regard bienveillant de Pierre Debat que les petits ambassadeurs de la Principauté ont entonné leur première vocalise, avec tout de même un peu d'appréhension et en respectant les gestes barrières, bien sûr, un exercice difficile au moment de projeter leur voix.
Le prince Régnier disait « Trois choses sont impossibles à acquérir, le don de la poésie, la générosité et un rossignol dans la gorge. Voilà ce que les petits chanteurs de Monaco nous offrent avec le talent et l'enthousiasme de la jeunesse. » Et si votre enfant souhaite intégrer les petits chanteurs de Monaco, sachez que la maîtrise recrute. 3 places sont toujours vacantes, donc avis aux amateurs. Votre enfant devra cependant avoir entre 8 et 11 ans pour pouvoir intégrer le chœur des petits chanteurs qui se préparent déjà pour leur prochaine tournée prévue en 2021 aux États-Unis. On passe aux prévisions météo. Quelle est la tendance pour le début du week-end, Frédéric ? Après 2 jours pluvieux, retour du beau temps pour ce week-end, Émilie. Une matinée ensoleillée avec quelques rares passages nuageux. Le ciel se dégagera totalement l'après-midi. Côté température, il fera 21 degrés le matin. Le mercure grimpera jusqu'à 27 l'après-midi. Pour les amateurs de plage, l'eau sera à 24 degrés. Le soleil se lèvera à 7h05 pour se coucher à 19h47. Samedi 12 septembre, nous fêterons les Apollinaires. Et les prévisions météo sont également ensoleillées à Calvi pour le départ de The Crossing Calvi Monaco Waterbike Challenge. On se quitte justement avec les photos de cet événement organisé par la Fondation Princesse Charlène. Photos signées Manuel Vitali. Et nous retrouverons demain notre journaliste Sandrine Nègre qui est actuellement en Corse pour suivre ce défi. À demain sur Monaco Info.